et cette formation. Voilà, il faut, c'est comme ça qu'on procède, mais pas forcément qu'il y a un coup arrêté, mais on se base sur ces données-là pour chiffrer notre travail. Oh ben. C'est pas facile de se présenter soi-même. Moi, j'ai fait d'abord des formations de base, j'ai fait des études d'ingénieur en zootechnique. Puis, en 91-12, j'ai fait un PhD en Allemagne, avec concomitant d'un certificat de toxicologie expérimentale. Mon doctorat a porté sur l'écotoxicologie, avec des études même ciblées bien en Côte d'Ivoire, notamment la problématique de la contamination de l'environnement. Depuis au Guinée, dans le nord, jusqu'au parc de la Goumoye, j'avais fait mon thématique. Et puis je suis arrivé à la tête du labo qui était le Labego, qui était à Korogo. Puis en même temps, j'assurais mes cours à l'université d'Abouaïamé, puis à l'université de Gobodi, notamment à la faculté de pharmacie et puis de médecine. Et je suis arrivé là, je suis passé au niveau du CAMES, du premier examen du CAMES, déchargé des recherches, en maître des recherches, et puis directeur de recherche en 2015. Ouais. Au cours de mes travaux de recherche scientifique, en tout cas, j'ai fait l'objet de plusieurs publications. Ensuite, je suis rentré au niveau du Codex, Codex Alimentarius International, où j'ai fait partie depuis, je crois, de 2012 jusqu'à 2017, le comité exécutif du Codex, sur le plan international. Au niveau de l'AIE, l'Agence internationale d'énergie atomique, au niveau de la FAO et de l'Union africaine, où je sers d'expert dans pas mal de domaines par rapport à la sécurité sanitaire des aliments, par rapport au problème de contamination, vraiment au problème de la protection de l'environnement. Je suis aussi le vice-président de la Société ivoirienne de toxicologie. Bon, ces derniers temps, j'ai été souvent surpris par des prix où j'ai été lauréat, notamment le dernier, je crois, date de 2018, où nous avons eu le prix PADER, puis nous avons eu le prix aussi du meilleur laboratoire du Lyon-Moi, c'est en 2018, je crois en 2017, c'était le prix du meilleur gestionnaire du laboratoire. Puis, bien normalement, on fait notre petit chemin. Plusieurs laboratoires, autant d'activités de production, il y a autant de laboratoires. Hein. Depuis la santé, je dirais santé humaine, le médecin, permettez-moi de faire la caricature, va poser le diagnostic clinique. C'est-à-dire quand vous partez en consultation, il te pose son diagnostic clinique, qui va être confirmé ou infirmé par un diagnostic de laboratoire. Donc vous voyez le laboratoire réglé. Vous avez une plante aussi. La plante aussi, c'est un être vivant. Elle tombe malade. Les spécialistes agronomes spécialisés en pathologie, en phytopathologie, vont poser aussi son diagnostic. Et ce diagnostic aussi clinique va être infirmé, confirmé par un diagnostic de laboratoire. Là-bas aussi, on a besoin de laboratoire. Maintenant, vous allez transformer, fabriquer les aliments vont être consommés par la population. Mais la population a besoin de savoir que ces aliments ne présentent pas de risques pour leur santé. Et pour cela, il faut aussi un laboratoire. Et je dirais même encore, on va plus loin. Parfois, vous avez certaines usines de production. Je sors carrément même du domaine alimentaire. Je dirais par exemple le pétrole. Mais la cire a des laboratoires. Pourquoi? Parce que la cire a besoin de ces données scientifiques-là pour confirmer, infirmer, permettre de faire un bon raffinage et une bonne production de pétrole. Donc il y a toujours les laboratoires. Donc il y a autant de laboratoires qu'on veut par rapport aux activités qu'on mène. Le coût, c'est parfois élevé. C'est pour cela que dans certains domaines, ça reste le panache de l'État, surtout dans les pays en développement comme nous, parce que les coûts sont très élevés et puis la rentabilité n'est pas évidente. Et l'État, il a un rôle régalien d'assurer la sécurité sanitaire, la santé, la bonne santé de sa population. Il en a besoin, donc il met un investissement. L'investissement humain n'est plus même encore lourd. Je dirais, moi j'ai fait mon cycle depuis le primaire, j'étais boursier jusqu'à faire un PhD en Allemagne. Et
PhD, surtout la recherche, je dirais que je n'ai pas moins de 28 à 38 ans passé sur les bancs, bien que je n'ai pas beaucoup doublé. Donc ça aussi, c'est un coût de production, c'est un coût. Maintenant, si on rentre dans les appareils, peut-être on aura le temps quand vous allez passer au laboratoire pour voir ce qu'on a là-bas. Mais dans les appareils là-bas, c'est un seul appareil qui nous coûte du milliard. Le détecteur lui seul, on va deux cotes l'appareil autour de 100 à 200 millions. Notamment les GCMS, la chromatographie en face gazeuse, ou plein de détecteurs de masse. Et si c'est MS, double, c'est pas évident, hein? Pas évident. Donc c'est assez cher. Mais ça permet, si on rentre dans le bénéfice qu'on obtient, on peut dire ça court son coût. Mais le bénéfice n'est pas direct. Ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est pas, comment dire, quelque chose de ostentoire. Tant qu'on ne fait pas une publicité, tant qu'on ne vient pas. C'est pour cela, quand la dernière fois, je discutais avec certains de vos collègues, ils disaient que mais nous, on est considéré comme des rats de bibliothèque. Tant qu'on ne vient pas nous chercher un ballon, c'est pas ce qu'on fait. Mais on le fait avec gaieté et bon cœur. C'est comme un sacerdoce. Il faut en parler là-bas d'abord. Même au niveau des cadres. C'est là actuellement la plupart de nos unités techniques. Les laboratoires, j'en parlais. Et puis de leurs collaborateurs directs, ce sont des chercheurs, des anciens chercheurs. Et avant que je n'arrive à la création de l'ANADA, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Et la tendance était que les gens fuyaient les labos, il faut le dire carrément. Ils préfèrent aller dans les projets où il y a des indemnités qui étaient là et qui permettaient d'être là. Mais tu es au labo, il n'y a pas d'indemnité. Tant que tu n'es pas chef, il n'y a pas d'indemnité qui accompagne. Donc tu étais considéré comme un simple fonctionnaire. Alors, il faut rendre ici hommage au docteur Ramba, qui avait été, que moi-même à ce moment, je ne savais pas être un jour, je serais sur terre. J'ai porté la discussion avec lui. Parce que moi j'arrivais, j'avais un PhD. La plupart de ceux qui étaient là, c'était des médecins vétérinaires. Il y avait peu de docteurs ingénieurs quand même. Il y avait peu, c'était des médecins vétérinaires qui avaient pratiquement le même statut salarial que les médecins en santé humaine et que les pharmaciens. Et c'était le moment où je travaillais, j'avais des machins parce que la GTZ nous subordait. Mais quand la GTZ, qui aujourd'hui GIZ, s'est retirée, je me suis retrouvé quand même au niveau des ingénieurs à Goumane. Donc on a mené les discussions, bref, mais pas loin. Et il a accepté d'écrire au ministre de la Recherche scientifique, puis au ministre de l'Agriculture d'alors, pour présenter la situation. Et si ça continue, ça veut dire que les laboratoires vont se vider. Et là, on a décidé d'accorder le statut au LANADA. Aujourd'hui, le LANADA a des personnels fonctionnaires classiques, et puis des personnes, des chercheurs, des anciens chercheurs, qui y sont aligné sur la grille salariale des enseignants chercheurs de l'université. Et ce qui a quand même changé les choses, hein, parce qu'il y a pas mal de recrutement des attachés de recherche, que les gens viennent nous solliciter. Je pense que la situation s'est améliorée. Du point de vue salarial, je ne dis pas que c'est parfait. Comme vous le savez, si vous menez un peu l'enquête au niveau de la fonction publique, je crois que les enseignants chercheurs et puis les médecins sont les plus payés que la fonction publique. Maintenant, notre personnel. Le personnel qui seconde, effectivement, nous on les a alignés sur ce qu'on appelle les techniciens supérieurs de santé. Et pour cela, ils bénéficient d'une indemnité comme en tant que technicien de recherche, qui dernièrement a été suspendu du fait que le ministère, les autorités voulaient avoir clair parce qu'il semble que y en a qui ne font pas de la recherche, et puis ils bénéficient de cette indemnité. Il y a d'autres ministères. Bref, on cherchait à équilibrer et puis ça a été suspendu sans qu'on ait réellement la bonne version. J'ai pris ma plume et puis avec mes collaborateurs, quand j'ai été informé, j'ai adressé une correspondance au ministre du Budget pour m'assurer de quelle était la raison. Donc ils nous ont donné tout le processus, comment il fallait faire désormais pour qu'ils puissent bénéficier. Et c'est en bonne voie, puisque j'ai adressé une correspondance au ministre de l'Agriculture, avec les éléments appropriés, qu'il a bien apprécié. Je crois qu'il les a conduits maintenant au niveau du ministère de la fonction publique et qui est en train de prendre un arrêté qui va les nommer comme réellement technicien de recherche, béni avec la prime qui y accompagne. Ça, c'est pas déjà, c'est quelque chose déjà. Je peux dire que le ministre nous a bien compris.
Maintenant, il y a un autre personnel pour lequel nous sommes en train de lutter. C'est ce que j'appelle, peut-être que vous avez appelé laboratoire. Nous les appelons ici des techniciens de surface. Parce qu'ils sont importants. Si le laboratoire n'est pas propre, les béchères, les éprouvettes, les pipettes ne sont pas bien nettoyées, nos résultats ne peuvent pas être de bonnes. Alors, là, quand nous, on arrivait quand même à la situation, surtout quand on sortait de la crise de 2010, 2012, 2011, bien avant ça même aussi, n'était pas du tout meilleur. Je vous assure que parfois, il y en a qui n'étaient même pas au niveau physique. Donc, la première des choses à faire, nous avons écrit, nous avons demandé au budget d'amener ce personnel contractuel-là au niveau du SMIC. Et après le SMIC, nous avons demandé à ce qu'ils soient payés selon des conventions internationales des personnels du patronat en Côte d'Ivoire. Ce que nous n'avons pas totalement encore reçu, mais pour l'heure actuelle, ils sont payés selon leur diplôme et à leur position. Et ce que nous sommes en train de chercher, une grande partie, c'est de verser tout ce personnel-là au niveau même de ce qu'on appelle la rubrique 657, qui sont des contributeurs directs de la fonction publique, où les choses sont plus luisantes. Parce que, il faut dire, ce que vous avez dit là, c'est un problème sérieux, hein, parce que ça existe dans toute l'administration ivoirienne. En 1997, suite à la restructuration proposée par la Banque mondiale de la FMI, on avait dit à l'administration ivoirienne de se débarrasser de tout ce qui est contractuel, ce qui avait été fait. Et on est passé par rapport à ce qu'on appelle les prestataires de services. Et les prestataires de services, ils prennent plus que ce que l'administration. Mais ici, nous sommes en train, ces derniers temps, depuis l'an passé, de verser tout ce personnel-là sur les 655. Et si ça se fait, je pense que ce serait une bonne chose. Et puis, comme vous savez, on est en train de demander aussi, les syndicats aussi demandent à ce que tous les contractuels soient pris par la fonction publique. Mais je crois que ça devrait améliorer les choses. Non, nous, on n'a pas de fonds directs au Canada. Hein. C'est le ministère du budget de l'État de Côte d'Ivoire qui met le budget, 80% de notre budget. Et nous, par nos prestations de services, on fera rentrer les 20%. Et je vous assure que lors de l'exécution du budget, j'ai un contrôleur budgétaire. Si mes 20% ne sont pas arrivés, il fait le calcul, il considère déjà que les 20% sont dans ce que l'État donne. Il bloque mes dépenses. Donc, ça veut dire que la gestion n'est pas aussi facile que ça. C'est ça. Voilà. Maintenant, ce que vous dites par rapport à gros business, si j'ai oui, compris. C'est ça. Bon, ce que je dis, c'est ma compréhension qui m'engage. Bon, c'est désolé. C'est parce que les gens n'avaient pas la bonne information. Et que, à mon avis, je ne sais pas pourquoi les autorités ont tardé. La décision devait être prise depuis fort longtemps pour éclaircir ces choses-là. Donner la bonne information aux populations, aux consommateurs, pour que, de façon bien connue, lorsqu'ils s'engagent, ils savent à quoi ils s'attendent. Mais ce qui n'a pas été fait, on a laissé les choses, il n'y avait pas de bonnes informations, les choses préférées. Même moi, j'ai lu ça dans un journal, et bien, quoi. Et puis après, j'ai vu ça parler des piments, puis de d'autres produits. Oui. Mais la rentabilité que j'ai vue là, c'est pas possible. Parce que moi, je vais sur le champ. Je sais qu'un Nivea, il faut 6 ans avant de commencer réellement à saigner. Mais un Nivea qui donne avant 6 ans, ça veut dire qu'il faut chercher à voir ce que c'est réellement ce produit. Mais la population n'avait pas cette information. Donc, ils ont investi. La seule chose que je peux dire, voilà, il faut qu'on les rembourse. Et s'il y a fautif, il y a des trucs qui ne sont pas corrects, les personnels, les personnes qui ont commis ça, parce que moi, les machins, mais la population qui a investi, maintenant qui a investi, mais parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, c'est des informations qu'on leur a données. On dit que c'est de l'EVA. Je vous assure que je suis groupé. Le ministère de l'Agriculture même est parti pour voir des plantations. Mais je ne sais pas maintenant s'ils ont vu réellement les plantations ou pas. Mais je dis que ceux qui ont investi là, il faut les retourner là, il faut qu'ils soient remboursés. Mais sinon, c'est difficile. Ça veut dire. Et puis quand j'ai constaté de constater, la manière que j'ai vu les populations s'engager, après c'est l'agro-business. Oui. Mais c'est maintenant, ça veut dire que les gens sont intéressés, on crée réellement les vraies conditions de l'agro-business. Ça marche, ça va marcher. L'État donne les... on encadre bien.
pour faire l'agro-business. Les cultures maraîchères, les cultures de contre-saison, si on donne le moyen de base, on fait l'encadrement et on prépare surtout le marché. Pas que les gens fixent les prix à leur convenance. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire passer, on peut investir et puis gagner son pain. Mais ce qui n'est pas le cas actuel. Parce que les producteurs, les maraîchers eux-mêmes, ils sont laissés à eux-mêmes. Je vous assure que parfois, c'est les belles dames, les femmes, on appelle femmes gros, bien machin, qui préfinancent le producteur. Et en retour, lui, maintenant, le produit, lorsqu'il arrive à terre, va chercher et puis l'amène au marché. Alors, moi, j'ai vu des cas, une fois en encadrant des étudiants dans le cadre de leur mémoire, ou thèse, production de choux. Lors de la production chez le fournisseur, c'est plus 100 francs. Et lorsque ça arrive au marché d'Agamé, c'est 750. Le produit a été combien ? Je ne peux pas. Si le système est bien organisé, en Côte d'Ivoire actuellement, les supermarchés, les grandes surfaces sont en train de se développer comme des champignons. Mais là-bas, les produits, les choux, les salades, les carottes, parfois ça vient de l'Europe. Hein. Alors on a toutes les conditions ici pour pouvoir les produire. Donc il faut organiser ce secteur. Je pense que l'agro-business peut porter. Bon, ben, nous avons espoir. L'Ouganda balance son chemin. Nous pensons que réellement que la sécurité sanitaire des aliments est un domaine qui peut permettre d'améliorer le bien-être de nos populations. Donc, si l'organisation et la logistique est mise en place, je crois que les éléments existent. Les personnes qualifiées aussi existent. La Côte d'Ivoire a beaucoup investi dans la formation de ces cadres. Donc, on peut faire quelque chose, mais pas attendre que les embargos, les décisions viennent de l'extérieur et que nous ne pouvons pas répondre. Ce serment parfois ça frustre quand nous partons dans les débats du Codex, les normes sont prises et nous, on ne fait qu'accompagner. L'Afrique ne fait qu'accompagner. Parce que de l'autre côté là-bas, ils ont mis le nécessaire. Et nous pensons que les autorités, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est sortie de la crise, il y a plusieurs priorités. Mais doucement, les choses sont en train de prise encore. Que le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources Animales, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, on doit aller dans un ensemble aujourd'hui qu'on appelle le One Health, c'est-à-dire une seule santé. Et ces trois éléments dont je pense que là, l'environnement, la nourriture, la santé en tant que telle, si l'un de ces éléments-là est défaillant, on ne peut pas être en bonne santé. On ne peut pas prendre un soignant et puis verser deux autres. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on parle du One Health, c'est-à-dire une seule santé. Et nous croyons à cette politique que ça va aller. Et que ces différents ministères-là doivent travailler dans un cadre concerté. Mais que c'est en tout cas mes meilleurs voeux, une bonne santé, succès, pour ne pas être, pour être plus facile pour beaucoup. Je dirais que le Tout-Puissant nous donne tous, à tous les Ivoiriens, suffisamment de force pour que d'autres années encore nous trouvent en bonne santé, dans la paix et dans la convivialité. Et je crois que les choses iront de façon meilleure, il faut être positif.